C'était le Flash Info. Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon Hullbuck. C'est quoi enchanté? Mais je peux pas faire ça. Réarmement auto. Ah mais tous hein. Voulez-vous activer? Oui, bien sûr. Ah oui, non mais nous on a les moyens là. Arrêtez vos conneries. Hein. Ouf, nous on n'est pas des touristes. Hein. On n'est pas frappé de la tourista. Bien que. Je suis en train de me demander si on constitue pas un petit dédale de pièges là ici. Là. Des plus rigolos. Des couloirs du massacre. Des trucs sympas quoi. Des trucs qui te donnent envie. J'aurais dû mettre un grand. Ah ouais. Finalement. Est-ce que je mette des grands murs ou des petits murs, ça me prend 200 boules. Hein. Même 600 balles, on les a pas. Non mais sérieux, le niveau de clocharitude qui nous attend. Oh. Eh mais... Ouais, fais rien mec. Hein. On n'a pas les moyens. Hein. Comment se fait-ce qu'on n'a plus les moyens comme ça? Bon, je sais que j'ai engagé beaucoup de monde. Bon bah c'est demandé, c'est pour faire des raids. Hein. Donc let's go, on va peut-être prendre des clodos. Domestique, cuisinier, orc. J'ai l'impression qu'il me faut que des orcs. Hein. C'est vraiment... Genre mes missions, c'est 100% de cuistot orc. Après, on discute, quoi. Il me reste pas un cuistot. Voilà. 89% de chance que ça se passe très bien. Ça va se passer tout seul. Du pognon. Oui, on a besoin de pognon. Barbare, banquier. Vampire. Oh là, j'ai pas tout ça, moi. Alors, on peut pas se passer des banquiers. On peut pas se passer des artisans. Oublie-moi, mec. Au fromage qui pue. Des gardes orques. Et des gardes gobelins. J'ai ça. Gobelins. Oh, ils ont des bons niveaux, hein, les gars. Oh, ils sont fatous. Gobelins. Et ben, encore du gobelin. Ils sont plus forts que les orques. Définitivement. Voilà, 100% de chance que ça se passe bien. Ça c'est rare. Hein. Ah ils sont heureux. Hein. Ah, allons faire un tour là où j'ai pas de pognon. Le marché. Pas d'argent. C'était méga bien. C'était incroyablement bien. Ouais.
J'aime bien les cellules. Les cellules pour orques, c'est une cellule avec du savon. La cellule pour les elfes, c'est avec du linchal qui pue. C'est incroyable. C'est vraiment... Eh ben, pour une solution à tout. Tout est bien crados quand même, hein. Non, ici on sait pas pourquoi, c'est encore bien entretenu. La crasse descend pas trop. Enfin, la crasse n'augmente pas trop. Voilà. Victoire, Eric, pour finir les mauvaises odeurs. Ok. Je sais pas ce que ça m'a rapporté, mais c'était cool. Sûrement du pognon. J'espère en tout cas. Et alors, voilà. Qu'est-ce qu'il se dit ? Le problème du marchand de fromage est réglé. Misère, les sbires sont revenus blessés. Hey Vax, qu'est-ce que c'était que ce raid non autorisé ? Rien du tout, maître. Un petit différend avec nos fournisseurs. Mais nous avons des malades et des blessés et... Je m'en tamponne la glotte avec un grimoire. Qu'ils aillent au diable, ces résidus de fientes de Dalmorgue. C'est un donjon ici, pas une infirmerie pour pleureuses. Bien, maître. Il faudra quand même soigner les sbires. On peut pas les laisser comme ça. Ok, sélectionnez un sbire blessé pour consulter ses informations. Toi. Tu peux pas partir en raid. Ah. Les sbires peuvent subir des altérations en participant à un raid, en travaillant ou lors d'une incursion. Aucune de ces altérations n'est soignable, à moins que... Oh, bordel de gorgotte de chienlit du chalibuc. Je me suis planté une écharpe dans le pied. Je souffre. Oh, oh, oh. Ah, mais ça, c'est des parquets! À force de les frotter pour enlever les taches de sang, ça devient dangereux de marcher en chaussettes. Faut y mettre un coup de gnôle sur votre pied et laisser moisir les chardes avec un pansement à base de fientes de lièvre. N'importe quoi! Je peux vous enlever ça très facilement. Une petite incision avec une lame rasoir draw, une délicieuse souffrance. La scarification vous irait si bien. Ne pouvez-vous pas simplement faire un sort de soin, maître? Oh, silence, bande d'imbéciles! Trouvez-moi un vrai professionnel, un pharmagicien, pas un de ces illuminés du clergé d'Euclide. Oh, oh. Ok, les pharmagiciens soignent et retirent les altérations de vos sbires à condition de placer une armoire à pharmagie dans les dortoirs. Ok. Ok. Ok, ok. Ouais. Et bah du coup, vu qu'on avait une place ici, ça me paraît formidable. Voici une... Et bah voici. Ça me fait bien plaisir, ma gueule. Ici, je crois qu'on est en 1. On va pas pouvoir faire grand-chose, je crois. Je crois que c'est cuitos. Je crois que chaque espace est occupé. Ça a l'air... Attends. Non, il y a peut-être des choses qui sont encore possibles. Il n'y a plus rien de possible, hein. On essaie d'imaginer les choses. Ah si, ouais, si, on peut encore bricoler un truc ou deux, ouais. Ouais, c'est pas joli, hein. Du coup, il n'y en aura qu'une que dans un dortoir. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis les autres, ils souffriront de leur mal de pied. Il me faut du pognon, vite. Un truc qui donne du fric. Voilà. Faut quoi? Des espions orques ou des gardes? Ouais, des orques, quoi. Allez, les orques, c'est en bas. En plus, ils sont nuls, mes orques, c'est un scandale. J'ai pas 5 gardes orques? Vraiment? Bon, bah, mets-moi champion poids lourd dans ces cas-là, des... Quoi, champion poids lourd, c'est un nain? Lance le raid. Mission improbable. Je vois pas l'intérêt. De l'argent. Domestique et cuisinier. On n'a pas de domestique. Par contre, on a des cuisiniers. Le cuisinier. Ouais, les cuisiniers de plus haut niveau. Ça part. Les cuistots, tu t'en sers pour tout et pour rien, mais tout le temps, quoi. C'est une dinguerie. Ça part. Qu'est-ce qu'on a ici? Du garde, elfe, troll.
Ça, c'est du garde humain. Il faudrait du garde elfique. Non. C'est ça, ça, c'est les Tarlouses. Ouais. Avec le plus fort de tous les gardes, encore un nain. Oh, c'est le raid. Mission improbable, c'est nul. Ça, domestique, cuisinier, orc. Oh, j'ai plus assez d'orcs. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est grimoire du fisc. Ça peut être marrant. On a quelques espions sous le coude, là. Ouais. Oh, ils ont un petit niveau, en plus. Petit canaillou. Petit canaillou. Ah, j'ai plus assez d'espions. Qu'est-ce que je vais envoyer avec vous, là? L'autre naze, là, qui sert à rien. Voilà, envoie-moi ce crétin, là. Ça a l'air rigolo. Après, je vais envoyer... J'ai bourré les raids à coups de savate. J'ai fait « Ramenez-moi du fric !» Vite! 1,2 jours, mais c'est beaucoup trop long. Allez! Ramenez-moi du pognon! Équipement de chef. Ah! C'est un objet sacré? C'est encore une autre merde? Est-ce que c'est encore une autre merde? Non, je sais pas ce que c'est les équipements de chef. Incursion en approche. Il arrive par où ton incursion? Ah, équipement de chef. Oh, c'est un truc de cuisine. Ok. Oh, en plus, c'est assez petit. Oh, on peut se fâcher avec un paquet de... Service médiocre, défaite pitoyable. Merde, on s'est fait latter. On s'est fait latter. Victoire héroïque. 500 balles. Chasse à la prime, ça tourne encore. Ouh, aïe, 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 aïe. Le nombre de gens qui ont les bras cassés. Peut-être que ça va... Ils sont toujours pas là, les coups. Des aventuriers. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Faut le faire hein, pour les perdre, hein, les gars, mais bon, on les a perdus. Victoire! 300 balles! Oh putain, enfin! Faut que j'aille voir quand même les comptes, hein, parce que je regarde pas les comptes, et là. C'est un peu chaud. Hein. Un peu compliqué. Hein. La vie est dure là. Hein. Laquelle on peut plus. Taverne est trop petite. On s'est fait avoir. Ah, il faut un phare magicien. Deux sbires ont été crevés. Voilà, maître. Un phare magicien a été recruté. Et nous allons aussi pouvoir soigner les sbires, en plus de votre orteil. Formidable! Pas trop tôt! Envoie-moi cet imbécile immédiatement! Garde à vous! Repos! Oh, aime bien viande! Vous quatre, ça monte, ça monte, ça monte! Par les nattes de Petit Panis! Quelqu'un m'appelle?
Je sais pas si on peut voir leur jauge d'XP. Non, c'est une information dissimulée. Ça va être des trucs, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait le phare magicien. Il est où ce con? Je sais pas qu'il est arrivé pour venir réclamer son salaire parce que sinon je vais péter un plomb. Hein. Il est où ce con? Quand ça? Pour ça, quatrième étage bloqué. Il mange à la cantine, ok. T'es où? Tu voudrais pas aller travailler? Genre faire croire que t'as un métier? Non, non, juste... Il mange, il picole un coup, il vient, il se balade, elle vient réclamer son cash. Voilà. Il court pas trop pour faire son boulot, par contre. Hein. Ah, ça y est. Voilà, soigner un gars. A bouffé, a pris son cash, a soigné un gars. Club des nécromanciens incompris. Ils sont indignés que vos sbires ne meurent plus de maladies et de blessures. Ils disent qu'ils ont perdu une source importante de cadavres frais et vous menacent d'une incursion. Qu'ils aillent manger leur mort. Je les attends de pied ferme. Aïe, mon pied. Et s'ils nous attaquent, je vais recruter des nécromanciens indépendants pour leur pourrir la vie. Oh. Survivre en incursion. Ça, c'est du mort-vivant. Ça, c'est à coffrer. Et au fait, il me faut un nouveau... voilà, un cravatiste. Oh, les gars, ils sont toujours moitié éclatés. C'est un scandale. Un sbire mort. Ok. L'incursion du club des nécromanciens a été mise en échec. La mort leur va si bien. Oh, ils suivent gentiment. Torture. Torturez-le. Lui aussi. L'un des deux survivra, pas l'autre. Je tiens à préciser. C'est très important. Ah, ils donnent des infos pendant qu'ils se font malmener. Quand on se moque d'eux. Voilà, c'est marrant. Bon, j'ai deux esclavagistes, normalement, il y en a peut-être un qui va ramener ses fesses à un moment donné, mais... Raid, faut aller me chercher du fric, hein. Chasse au trésor, du pognon, parfait, bannière de navigateur, magnifique, incroyable. Artisan et banquier. Elf troll. Artisan, elf, donc cuisinier. Cuisinier elf, techniquement, c'est le top. Ok. Ok. Alors j'ai mis un garde. Hein. Parce que le garde avait un très bon niveau. Est-ce que tu comptes comme artisan? Je pense que oui, mais je vais éviter de t'envoyer. Ça m'arrange pas trop. Mais après, je crois que je vais être obligé. Parce que j'ai pas d'autre personnel elfique. 51. 57. C'est pas lourd, une chance sur deux. Hein. Mais on y va comme ça. Y'a pas trop le choix. Mercenariat. Des guerriers orcs. Du guerrier orc tout de suite. Voilà, trois guerriers orcs tout de suite. Déjà, on se sent déjà mieux. 4. Mais j'ai que 4 orcs. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Cultiste, nécromancien, pharmagicien, espion. Écoute, on va juste envoyer un nain en tête de tout ça, 100% de chance, on n'en parle plus. Allez hop, on va laisser peser, dirais-moi tout ça. On manque de personnel qualifié.
Il faut plus de personnel qualifié. Je vais être obligé d'étendre les salles de recrutement, renseignement et massacre. Ou refaire une salle des gardes digne de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire expédier ailleurs les renseignements. On va mettre les renseignements au premier étage. Il est grand temps de libérer un espace convenable. Ouais, un espace très convenable. Ouais, c'est pas ce qui manque, hein, les espaces très convenables à cet étage, c'est bien. C'est bien, c'est appréciable. Ok, allons-y. Optons pour, donc on disait, salle de garde. Toujours à mettre ici. À l'intérieur, il me faut une bonne tablasse de renseignement. Et l'idée, c'est d'y avoir d'entreposer voilà tout le renseignement du monde. On est bien. À ça, on va quand même ajouter deux casiers humains standard, deux casiers d'orques. Oh, un peu plus même. 1, 2, 3, 4 casiers d'orques. Certains diraient qu'on fait preuve d'un peu d'hostilité. Je dirais, c'est pas faux. Je vais m'ajouter parce que les nains montent visiblement bon niveau, les nains. Ça déconne pas trop, visiblement, les nains. Ah, un casier, non. C'est tout ce que je pouvais ajouter. Ah, je pouvais le mettre là. Je peux rien ajouter d'autre. Ok. Un nain de plus. Ouais, mais il nous manquerait des elfes aussi. Est-ce qu'on n'équilibre pas la chose? Elfes. Ça, je me libère de la place. Adjugé, comme ça, effectivement, je peux me faire un petit mur là de recrutement là. À la cool. Hop, orc, orc, elf, elf, nain, renin ici, gobelin, gobelin. Ah. On n'a pas d'autre choix. Gobelin, gobelin, terminé. Il n'y a plus de place. À moins que... Non, non, on peut pas. Non. Et on a une salle... Ah, on a une salle qui coûte une blinde. J'y ai pas pensé. On va supprimer de la rangée. Hein. Tout ça, ça peut se rajouter. On va les vendre celles d'en bas. On va gagner de la place. Hein. Inquiétez pas. Voilà, déjà, on va me faire ça, ça sera pas mal. On revient au rez-de-chaussée, justement. Dès qu'on arrive ici. On va modifier un peu. On va vendre quelques trucs. Voilà, comme ça, on récupère un peu de pognon. Et on vient se mettre ça ici.
4000 luttes, on les a pas. Presque. Voilà, on les a. Au boulot, au boulot, au boulot. Faut stocker de l'info. En parlant de stock et de pognon, j'ai toujours trop de flingues. Je suis à 250, mais je peux pas stocker plus, hein. Je sais pas si c'est un bug ou c'est volontaire parce que je sois disant j'ai pas le niveau ou je ne sais quoi. Mais les... Pour les outils ça marche mais pas pour la forge. On augmente la capacité de stockage de 50. De 50 aussi. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais soit. On va supprimer ça. Je vais récupérer du stockage pour les outils, puisque les outils pour les outils ça marche. Les outils ça a encore baissé. Vendez beaucoup moins d'outils que 20% d'outils, ça fera l'affaire. Alors, il y a peut-être un. Tiens, j'y ai pas pensé. Il fabrique des outils. Un artisan, il fabrique de l'armement. Est-ce que j'ai assez d'artisans en vrai? Parce que je. J'ai pas l'impression. J'ai une, deux, trois, quatre d'outils. Après, les armes, je suis plein, quoi. Les armes, on est plein, donc... Ah non, bizarrement, ça y est, la capacité vient d'augmenter. Il manque la moitié des armes. Je suis en train de me demander s'il faut pas des outils pour fabriquer des armes, en fait. C'était un peu la question que j'étais en train de me soulever. Ok, récupérer le butin, let's go. Parfait. Je ramène nos gars à la maison, impeccable. Ah oui, on a gagné des nouveaux loot. Je sais même pas c'est quoi, j'ai pas regardé. C'est une nouvelle bannière, une bannière de navigateur. Eh bien, fera très très joli dans la piole de Zangdar. Voilà, vraiment juste au-dessus là, parfait, hein, pour se faire cramer le fiac. Impeccable. Faut quoi pour avoir la bibliothèque? Progresser dans la campagne. Ok. Faut que je fasse quoi d'ailleurs? Recruter un nécromancien. Ah. C'est juste comme ça, genre je recrute un nécro. Bienvenue au club, ma gueule. Je regarde même pas les quêtes, mes gars. Nous avons recruté un nécromancien, maître. Il dispose des patentes pour exercice salarié de la nécromancie en donjon accrédité. Je vais montrer à ces embaumeurs de viande avariée ce qu'est un vrai sorcier maléfique. Et puis nous pourrons valoriser un peu leurs cadavres. Je n'aime jouer qu'avec les vivants. Les morts ne crient pas de douleur et l'odeur de leur décomposition agresse un peu mes narines. Je ne sais pas s'il est bien prudent de nous attaquer à une guilde aussi puissante, maître. Silence, fiente de Dalmorg. Invasion en approche. Les elfes! Oh! Wafik. Je veux plus de nécromanciens. Il faut faire grandir notre activité afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre cœur business par une innovation disruptive. Et c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que... Je viens de lire un article fascinant dans Donjons et Despotes, écrit par un consultant sorcier du nom de Bidrantir, sur les nouvelles perspectives de management évolutif dans un contexte de croissance organique de la valeur ajoutée. Je vois avec plaisir que vous développez vos compétences selon des grilles indicielles correspondant aux normes auditables de la Caisse des Donjons. Misère et ongles incarnés. Ils sont deux maintenant. Il faut vraiment que je cache tous ces magazines qui lui pourrissent l'esprit. Ok. Nécromancien, les éléments présents dans le menu extérieur peuvent être placés uniquement dans le jardin et les balcons du donjon. Ça, c'est donc de l'engrais.
Je sais pas à quoi ça sert, c'est quoi le descriptif, hein ? Augmente la chance que les nécromanciens produisent une plus grande quantité de compost lorsqu'ils stockent un cadavre d'humain dans une tombe. Ah ! Waouh, c'est un petit bac à compost au fond du jardin, là ! Bel effet, hein ! Je sais pas s'il en faut plusieurs. Ah, il faut le bac à compost aussi. Ah, pour stocker, ah bah oui. Hyper important. Attendez, c'est ce qu'on veut, hein. On est éco, nous. Voilà. Un brumeur, sans enferme, sans... c'est joli. Sans effet, la barrière, c'est joli. Je suis d'accord avec lui. Ça a quand même une petite gueule. On rajoute un petit bois pourri par là, là. Et un gros, là... Non, j'aime bien ton inclinaison. Voilà, comme ça. Une botte de paille, voilà. C'est bio. C'est beau, c'est bio. On garde, hein. On prend, nous, hein. On est des gens de bien. Voilà. Du coup, on peut maintenant éclairer un peu l'extérieur de la maisonnée, se rajouter une petite pierre tombale, parce que c'est bio. Je rappelle, toujours. C'est bio, c'est écolo, c'est bien, c'est important. Voilà. Puis, à 1300, mais putain, même 1300 balles, on les a pas, quoi. Mais vraiment, on est des clodos, hein. C'est pas possible, hein. Faites du pognon, bande de sbires. 9 balles. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Non, mais ça fait pas pro, après, hein. On est là, on n'a pas notre arbre, on n'a pas notre compost. Est-ce qu'on peut vraiment accepter de vivre comme ça? On n'aura pas le choix, la réponse est oui, on va être obligé d'accepter de vivre comme ça. Ça me dégoûte. 1000 balles. Ah oui, ça coûte quand même 168. Ok. Ok. Bah ok. Sauf qu'à un moment donné, il faut me donner une thune. Ah ouais, bah les gars, si vous me donnez pas une thune, alors là... Ça sert à rien. Si vous me donnez pas de pognon, les gars, je peux pas aider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, j'ai pas réfléchi. Ah, oh, ouais, on peut capturer les gens. Allez-y, hein, on a les moyens d'emprisonner deux elfes, je crois. Ouais, c'est ça, deux elfes. La dernière, vous me la tuez. Par contre, je crois que des phares magiciens, je vais être obligé d'en prendre un de plus, hein. Oh, sbires décédés. Ouais, mais sbires, ils ont jamais de life, je sais pas pourquoi. Ah, c'était lui, mais on pouvait la récupérer, ça. Passer de tombe à compost à l'extérieur. Bah oui, 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 bah, je me doute, hein, mais... On a pas beaucoup d'argent, nous. On voudrait bien, mais... On peut point. Fait la déco, hein. Vite faire, vite faire. J'en ai pas pour long. On se refait grosso merdo la déco. Ça ressemble à peu près à ça. Le petit ballot de paille qui va bien ici, là. Voilà, très joli. Ah, c'était la charrette qu'on avait eue. Ah, vas-y, vas-y, je veux bien la charrette. Elle est trop swag. Voilà, petite charrette. Deux tombes de morts vivants, là, vite fait, là. Histoire de ranger des gens. Et puis, on va pour deux petits bras zéro des familles, hein. C'est bio, c'est écolo, c'est joli. On aime beaucoup. On a plus l'argent. Je regarde jamais. Hein. Je dépense tout, je regarde pas. Je regarde pas la dépense. Hein. Il est vrai. On a 250 de trop. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on nous dit. Hein. Ça, on peut le virer. Alors, on vire ça. On est bon. Ah non, on est à casse à 1680. Je regarde mes charges, mais non, non, c'est pas... 800... Voilà, 730. On a les moyens, là. C'est bon, paye. Oh là là là, la ville coûte trop cher. Mais ils vont faire leur boulot, les autres cons, là.
On n'a plus d'esclavagistes. Maître, j'en ai nous deux. Avons construit un tas de compost. C'est une des nouveautés du salon des équipements maléfiques de Waldorf de cette année. Oh, encore un gadget pourri pour un tendant feignant. Pas du tout. Regardez, c'est génial. Fini les mauvaises odeurs. Et en plus, on pourra s'en servir pour faire pousser des légumes. Ouais, alors, je vais bien séparer les trucs qu'on sert aux clients et ma propre bouffe, si ça ne vous fait rien. Moi, les navets au jus de cervelle, c'est pas trop ma cantine. Et pourtant, je suis pas du genre à renacler sur les vieux fromages. Ok, on a redébloqué des armes depuis que j'ai vendu des râteliers d'armes, je comprends plus rien. Maître, nous avons reçu une nouvelle missive de la CNI. Les nécromanciens promettent de faire de vous un zombie nettoyeur de toilettes à leur siège de guilde. Qu'ils y viennent, nous pouvons repousser tous leurs assauts. J'ai bien peur qu'ils ne montent en gamme et n'invoquent des morts vivants de plus en plus dangereux. Dans ce cas, nous allons prendre les devants. Qu'on lance un cercle d'invocation pour canaliser les flux cosmoploubiques sur notre carrefour tellurique. À moi les armes de nécromancie massive. Je vais réfléchir à la façon la plus sadique d'employer cette nouvelle armée maléfique. Un raid de non-morts chez des nécromanciens. Quelle belle façon d'en finir avec ces pantins croupissants. Mmh. Cercle d'invocation clochement public. Oh, moi, ça m'a l'air compliqué cette histoire. Mais je veux bien valider ça. C'est bon, je peux remettre de la déco là. Je peux remettre un arbre. J'ai de l'argent. Je regarde pas l'argent. Si je regarde l'argent, ça veut dire que j'en ai pas. Je regarde pas l'argent, on en a plus, putain. Fallait regarder l'argent. On aurait su. Attendez. Peut-être nous rajouter des petites tombes là, vite fait, en mode gratos. Oh, ça tient pas. Oh, putain. Ah, mais l'argent a fondu le temps que. Mais ça, c'est un délire. Non. Oui, annule. C'est fou. Non, mais on est en déficit, c'est pas possible. Une grève est en cours. Ah! Ouais, bah on est mal barré. Qu'est-ce oui, qu'on a. Oui, c'est qui? C'est Nelson. On peut coffrer ça? Pas de cellule libre pour cette origine. Ah oui, merde. T'en profites, hein. Torturé. Celle-là, elle est libre. Ah oui, mais parce que l'autre ne me l'a pas encore mise du coup dedans. Je suis employé, pas larbin. Comment? Plutôt bourri. Si j'allais plutôt faire une balade en forêt. Entralala. Quand tu la craches, t'as besoin de quelques. Oh, les. Par la barbe de go. J'aime. Attends, c'est tous ceux que je peux pas coffrer qui sont en grève. Pas. Namarié. Oui. Ouais. Besoin de quelque. Entralala. Plutôt bourri. C'est toi le patron. Par la barbe de Goltor. Quelle chance, nain. Et je suis employé, pas larbin. Ça se passe bien. Besoin de quelque chose par la barbe de Goltor, je vais me tirer à la taverne. Mais normalement, il y a moyen d'accéder aux revendications syndicales. Je sais pas lesquelles c'est. Aucune info, ça ne sert à rien.
que j'ai un dollar, on me le tire. Hein. Je pense que le problème, c'est que le cercle d'invocation est prêt, mais comme vous l'avez demandé. Parfait. Par les 9 secrets de Tzinch, qu'on lève une armée maléfique, et mon pouvoir sera sans limite. Il y a trop de poussière ici. Certes, le menu de nécromancie, je veux bien. Ah, c'est celui-là. Ok, recyclage. Ok, zombie, squelette, 3 zombies. Ok. C'est la poudre de squelette. Elle vole un peu partout à cause du courant d'air du cercle d'invocation. Ouais, faudra fermer les portes. Sinon, on va passer notre journée à jouer du plumeau. Et puis, c'est mauvais pour les bronches et ça va ruiner le pinard. Il est vraiment court, mais il m'emmerde ces nains. Et je suis employé par l'arbin. Tu les craches ta pastille. Ouais. Fais plutôt mourir que des nerfs sur patient. C'est toi le patron. Sors la barbe de gauche. Ouais. C'est toi le patron. Tu les craches ta pastille. Putain, en plus, c'est que des nains de haut niveau, quoi. Le truc qui m'emmerde pas du tout de les virer, quoi. J'ai pas débloqué de quoi coffrer des nains, là. Humain, peau verte, elf, draw, toujours pas. Pour les nains, il faut des bourreaux de grade 4. Bah, va falloir se bouger le cul, hein, les bourreaux. Hein, hein, les bourrales. S'il m'en reste, je crois qu'il m'en reste plus qu'un en plus. Non, j'en ai deux. Réclame d'être soigné. Bah, ouais, ouais, je sais. Ouais. On a pas le fric, hein. Ça va bien ou pas? Pas l'air, hein. Ok. Pour un monde de dingue devant les banques. Et je suis employé pour l'arbin. Employé pas l'arbin. Je pense qu'on a un vrai problème de revenus là. Un qui va nous provoquer un crash si on se démène pas autrement. Les salaires c'est 700 balles. Revenus de la taverne c'est 200 balles. Les revenus de la taverne se sont effondrés. Pourquoi? La taverne c'est bleu. Ah non, la taverne ça bouge pas. Mais ça me paraît bizarre que ça augmente pas plus que ça la taverne. Je pense qu'il faut vraiment revoir toutes les salles là. Je pense que ça urge. Ok, il y a des gars en approche. On va laisser gérer ça. Les raids. Pourquoi point d'exclamation sur un raid? Je sais pas. Il y a un moyen simple de régler ce problème de crise. On va le faire tout de suite. Non, pas le marché. Je suis bête. Excusez-moi. Le mec a pas de pognon, mais... Non, allons marché. Ah, une excellente idée. Est-ce qu'on peut vendre tout de suite, genre, 300 outils? Voilà. Ça nous remet d'aplomb. On vend déjà la moitié de nos infos et on est déjà ruiné. On vend déjà la moitié de nos armes et on est toujours ruiné. Je vais devenir fou, hein. Ok, nos stocks n'ont pas bougé. Là, j'en ai 100 parce que j'ai deux trucs. Ouais. Je veux coffrer personne parce que ça m'intéresse pas de coffrer qui que ce soit. Bon, la grève est tombée. C'est Clark.
Bon, je vais peut-être pouvoir décorer mon jardin là. Eh, pause. J'ai de l'argent, je décore mon jardin. Voilà, c'est très important. Le jardin, c'est la vie. C'est nous, le jardin. Voilà. Du plus bel effet. Voilà. Deux bras zéro. Voilà. C'est très beau. Je sais pas si eux ils vont arriver à un moment donné ou un autre, mais bon, peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est de déclencher un raid. Le boudin, c'est qui? Objet, un mannequin. Allez, il faut quoi? Des gardes orques. Il faudrait vraiment des gardes orques par légion. Et de très haut niveau. Alors, ça sent les gardes orques de très bas niveau. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, ça c'est pour ça. Des espions uniquement. Ah, ça normalement j'en ai. Sauf s'ils sont tous fait encore suicider. Putain, j'en ai plus aucun. Ah si. J'en ai pas un niveau 6. J'en ai genre pas un avec un énorme niveau. Ils sont tous morts. C'est excellent. C'est pas grave, ça fait baisser les. Ça fait baisser les coups. Ça. Des gardes. Ouais, s'il te faut des gardes, je vais t'envoyer du garde. Je prends le risque, 91%, je prends le risque. Ah, on a plus assez d'infos pour faire ce raid. C'est bien dommage. Ceci dit, on devrait pas tarder à les avoir, ces infos. On est à 43. Les gens se tapent les couilles par terre, c'est comment? Des infos, s'il vous plaît. Si jamais quelqu'un a entendu parler d'une info... en plus, c'est celle-là qui m'intéresse. Ah, je vais pas l'avoir parce que j'aurai pas mes infos. Mais non, c'est une blague. Eh ben non, elle va me péter dans les doigts parce que j'aurai pas les infos. Ok, c'est encore un humain, bah celui-là faudra le coffrer. D'ailleurs celui-là on va pas le coffrer parce que vous êtes déjà en train de le crever. Celui-là on va le coffrer. Ah oh, les gars c'est des cakes. Ça commence, dis-moi que t'as des infos, sinon tu me sers à rien. Oui, oui, fais pleuvoir les infos. Emportez le raid, faites marcher les morts, ok. Ça parle. Si je fais pause, ça redescend un peu ou pas? Allez. Souffre. Tu n'as plus rien à dire? Libérez-moi ça. Torture-moi ça. Très réactif à la torture.
D'accord. La torture, c'est juste d'attendre qu'il crève, les gars, parce que c'est pas dingue, hein, comme... Bon. Puisque vous attendez, hein. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On a rien à recycler, hein. D'accord. L'autre, elle vient se prendre son plaisir de la torture, mais... Le prisonnier, Ouais, casse-toi. Rentre chez toi. C'est pas fou, hein. C'est pas fou ce qui nous arrive. Rentre chez toi. Les pièges rendent nerveux. Gagner un mannequin d'entraînement. Cool. Ou un mannequin de je ne sais quoi. Mais je suppose que... Non, c'est pour l'atelier. Augmente le prestige de la salle. Bah d'accord. Hop. Voilà. Voilà. Ah la vache! Les salauds! Les ordures! C'est immonde! C'est criminel! Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attaqués? Pire! On est saigné à blanc, pillé, ravagé! C'est la débâcle! On ne va jamais s'en remettre! Les moines brasseurs de Glark ont triplé leurs tarifs! Triplé? Par les babouches de Xor. Bon, il suffit de changer de fournisseur, non? Changer de fournisseur? Vous en avez de bonnes. C'est des gros bonnets, ces moines brasseurs. Ils tiennent tout le commerce de la binouze dans la région. On ne fera rien sans eux. Et une petite rétorsion. Pour leur faire comprendre qu'on ne payera pas ce prix-là. Pourquoi pas, même si je ne sais pas trop dans quoi on s'engage. Bon, après tout, ce ne sont que des moines. Un raid sur un de leurs convois devrait les ramener à la raison. On pourra leur faire savoir qu'une protection... serait envisageable s'ils deviennent conciliants sur les tarifs. Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Et pourquoi la bière que j'ai commandée n'est pas arrivée? Les problèmes. Il faut faire marcher les morts. Allons-y. Raid. Faire marcher les morts. Il faut des sorciers, des cultistes, des nécromanciens, des phares magiciens. Oh. Mettons un garde d'élite déjà. Mettons 2, 3, 4 gardes d'élite. Voilà, notre raid maléfique est en route. Les morts sans repos contre les nécromanciens de pacotille. Voilà. Ça sera du plus bel effet. Elle est où ta paye, connard? Mais va la chercher aussi, il y a de l'argent, hein. Il va falloir que je remette une salle de trésor. Va falloir que je mette une salle du trésor en bas, je crois. Hein. Bon bah voilà. Faites des voisins dans la campagne, faites la paix avec la CNI. oui. Même pas c'est lesquels la CNI. C'est pas vous là. CNI. Ah oui, les morts vivants. Bon bah voilà. Ça s'est très bien passé. Pour une poignée de bouteilles. Faut que j'envoie des orques. Toujours les orques. Les orques, une valeur sûre. Tapez bien, tapez fort. Cultiste, nécromancien, enfin, bois des orques. J'ai du garde orc qui traîne là encore un peu. Ça va être du niveau 2 au mieux. 3. Oh, ça passe des choses. J'ai pas de quoi l'envoyer. Ça coûte 60 d'envoyer tout ce crew. Pas ce qu'il faut, puisque je n'ai plus. J'ai plus personne. C'est plus d'effectifs. Je fais une grande salle de l'espionnage, on se demande pourquoi. Maître, le club des nécromanciens vous a écrit pour vous remercier de votre dernier envoi. De quoi? Pour implorer pitié devant ma terrible attaque, tu veux dire? Non, ils disent que le spectacle de danse macabre offert par nos créatures était très divertissant et vous remercient pour votre geste d'apaisement. Ils ne vous ennuieront plus. Maléfice et tibias écrasés, c'est quand même une grande victoire que l'on célèbre mes prodiges nécromants. Et pas un mot sur les détails de la lettre. Évidemment. C'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour le maître du donjon de Dalbuck. Il va falloir refondre à un moment donné ou un autre ce donjon. Il semblerait qu'on ait des gros problèmes de budget, mais ce sera dans un autre épisode. Ciao !